Bonjour à vous tous, je vais regarder si tout est ok. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous êtes bien. J'essaie de vous faire un petit message, une petite vidéo, parce que cette semaine et même depuis la semaine dernière, je cours un petit peu, à droite et à gauche, pas beaucoup de temps, et j'ai dit il faut que j'arrive à exprimer quelque chose, parce que j'ai passé toute la nuit dernière en discussion interne, c'est très très étrange quand ça m'arrive. J'ai l'impression d'être en conférence hein, et ça vous empêche de dormir. C'est épuisant, mais vous pouvez pas dormir parce que les idées affluent. C'était très complexe et d'autant qu'en plus, on s'apercevait que, enfin, je m'apercevais que ça n'avait absolument quelque part pas d'incidence directe sur notre quotidien, quoi. Parfois, on essaie de me débrancher de la prise d'en bas pour me connecter à la prise d'en haut, pour essayer de me remettre sur les rails. Je ne comprends pas toujours l'histoire, le pourquoi je devrais quelque part lâcher le quotidien, puisque dans mon esprit, toujours, je le ressens ainsi. Je suis incarné ici, donc je vis ici, j'intègre ici, j'apprends ici, je souffre ici, je suis avec vous, etc. J'aspire à être au plus près de, j'allais dire, de l'humain, de la vraie inspiration du quotidien. Et de temps en temps, j'ai le coup de semence et, waouh, on m'envoie des informations qui sont colossales et titanesques. Je dis, mais waouh, c'est, j'allais dire à un moment donné hors de propos, mais c'est tellement colossal. C'est assez déconcertant de devoir discuter entre son esprit et soi. Je sais que beaucoup qui m'écouteraient me trouveraient un petit peu fêlé comme ça, et d'avoir dans une sorte d'état second, une sorte de discussion, de dialogue interne entre son grand soi et son petit soi, et d'essayer de comprendre à un moment donné ce qui se passe au-delà de la réalité. Ça fait quelque temps que j'aborde un petit peu le sujet du réel et de l'irréel, ou de quelque chose qui se passe, et que de plus en plus de gens comprennent que quelque chose se passe d'étrange. Ce qui me laisse toujours perplexe, c'est qu'on a toujours, les gens, entre guillemets, placés des héros en surface, tel chef d'État ou tel autre, celui-là est pas bien, celui-là est bien, celui-là veut nous sauver, alors que moi, on me dit tout le contraire, c'est-à-dire, mais ça n'a aucun rapport, ils se battent entre eux, quoi, hein, c'est pour leur intérêt primordial, et certains, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une menace plus globaliste, des mondialistes qui abattent leurs cartes, et contrairement à ce que j'ai entendu, c'est loin d'être la dernière. Hein. Ce serait étonnant que des êtres qui, entre guillemets, ont d'énormes moyens, des personnes, abattent la dernière carte. Vous inquiétez pas pour eux, ils sont pas si stupides que ça. Mais ça reste assez étonnant, puisque de toute façon, maintenant, les dés commencent à être jetés, et pour cette partie-là, en tout cas, c'est une gigantesque partie d'échecs qui se livre entre deux forces, dans lesquelles nous sommes un petit peu pris à l'intérieur, et croyez-moi, c'est vrai qu'il y a le moins pire et le pire, c'est vrai que la globalisation et le contrôle de masse, c'est toujours un petit peu le but de la plupart, alors que d'autres, plus, on va dire, le système mercantile, commercial ou trans, faire du business, y compris faire du business de l'humain, parce que les soi-disant sauveurs, on m'a montré ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, sont pas si bien que ça, hein. Mais, voilà. Je sais que certains analysent au niveau factuel, au niveau informationnel, ils décortiquent les journaux, les actualités du monde entier. C'est-à-dire, bon, par exemple, Trump va plutôt être favorable, beaucoup plus à l'humain, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il se base sur un système et une structure de pensée beaucoup plus primaire, qui est mercantile.
c'est tout. Alors que les autres sont beaucoup plus agressifs vis-à-vis de l'humain. Dire, eux, nous traitent comme du bétail et non pas comme des unités économiques. Mais comme je l'ai déjà dit, ce sont deux forces qui se livrent un combat et nous, nous sommes au milieu. Une forme de libération se produira, mais ça viendra toujours, toujours et essentiellement de nous. Après, moi, ils font ce qu'ils veulent au sommet et je souhaite qu'un jour on ait la volonté, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, la volonté, l'opiniâtreté de vouloir la responsabilité de nos choix, de nos vies et une certaine maîtrise de notre destin. Et non plus le laisser à Pierre, Paul ou Jacques qui nous dirige, etc. Et de confier tous ses espoirs à quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous me touchez. Parce que c'est pas par là qu'on va revenir à un ancien système où, qui est, oui, mais on doit pouvoir faire mieux, non? Bref. Je sais pas si je peux aborder le sujet, on va essayer un petit peu ici. Alors, j'ai pas mal de questions et de commentaires ici et là qui ont été abordés. C'est très délicat. On verra, je ferai des vidéos parce que je sais que certaines vidéos ne vont intéresser que très peu de personnes, mais c'est pas grave. Et d'autres, plus globalement, je cherche pas à faire des sujets plus, mais j'aimerais que ça intéresse le plus de monde possible, en fait. Parce que là, on est vraiment dans aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a toute la nuit, m'a bassiné, et on me traitait. Ah, ça tournait en boucle. C'est pas toujours rationnel les arguments hein, qu'on m'envoie, mais c'est très puissant. Et je les comprends à un autre niveau. Et c'était assez déconcertant de ressentir une sorte de trinité étrange de la conscience, de la création. Et du temps. Aucun rapport avec la Trinité dont on parle dans la spiritualité. L'étroiteté qui existe entre les corrélations entre le temps, la conscience et la créativité, la manifestation. Et chaque fois, on n'arrêtait pas de me marteler ça. Je dis, waouh, mais quel rapport? Je dis, je comprends, mais ce sont des concepts tellement élevés, qui s'y bat dans le trou, dans le puits profond nous sommes, même si ça s'améliore un petit peu à chaque fois, et on a des petites poussées qui nous font monter un petit peu en énergie, en fréquence, mais néanmoins, on est pris à l'intérieur dans des égrégores, dans toutes sortes de structures qui sont hyper balèzes, et bien souvent, le quant à soi, le quotidien, chaque individu ici, et c'est tant bien que mal de vivre sa vie, tout simplement, sans passer trop loin, et on veut être dans le contrôle et le faire tant bien que mal. Et du coup, on a une sorte de fragmentation de chaque individu qui joue dans sa catégorie. Tout le monde croit aider, mais ils aident pas. Parfois, ils relaient des informations, mais ça aide pas. Et comme je l'ai dit, j'insiste, cette prise de conscience devrait être collective, même si ça commence à, de façon boiteuse à fonctionner, etc., etc. Et il est étrange de constater que le temps est en train de se modifier, là, et waouh, c'est quelque chose d'assez étrange. On passe encore une sorte de voile. On est en train de passer un voile. Visiblement, une ligne temporelle est en train de se modifier. C'est ce qu'on me faisait comprendre. J'ai dit, à quoi ça sert de me le dire, puisque de toute façon, je n'en aurais pas conscience directement, mis à part ce que j'ai déjà dit lors d'une vidéo précédente, que j'aurais une impression de déjà-vu très marquée, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu ça, ou j'ai l'impression que ça a déjà eu lieu, mais avec des variantes, mais parce qu'en fait, il y a des modifications. C'est étrange, cette triangulation de la conscience, du temps, et de la réalité, étroitement liée. Je veux pas rentrer dans des concepts trop balèzes, parce que de toute façon, c'est sans intérêt. Ça intéresserait que très peu de personnes, et en plus, le but, c'est que tout le monde comprenne. Dans la manifestation, la création, évidemment, il y a une forte
connotation de la conscience et de l'émotionnel, donc toute la ramification reliée ou rattachée à la conscience. Donc, nous créons sans le maîtriser les choses. C'est un peu le foutoir parce que quelque part, on nous manipule. Hein, c'est clair. C'est une ambiance, un égrégore, l'esprit ambiant. Et nous avons notre individualité qui a tendance à vouloir égoïstement dire « bon, je veux tirer mon épingle du jeu, moi et les miens ». Et du coup, quelque part, on redivise encore un petit peu, alors que bien souvent, on s'aperçoit qu'il faut se réunifier. En ce qui me concerne, j'ai parfois des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec moi, des personnes qui ont leur spécialité, des communes. Et c'est vrai que pour l'instant, j'éprouve beaucoup moins le besoin d'échanger. C'est pas que je ne le souhaite pas, au contraire, ce serait bien, mais à chaque fois que je veux le faire, il y a quelque chose qui m'en empêche. Je dois aller au bout de quelque chose, en fait. Et peut-être un jour ou pas, il y aura un échange. Je m'aperçois que parfois, lorsqu'on mêle les énergies, ça crée quelque chose qui semble plus être un déséquilibre qu'autre chose. Car tant que les directives ne seront pas claires, que chacun n'aura pas une vision plus ou moins commune, ce sera difficile. Alors, dommage, quelque part, mais peut-être est-ce ainsi pour une raison. Beaucoup de personnes, donc, vont continuer à faire dans leur domaine. Je vois que beaucoup ont continué à faire comme avant, comme si ne rien n'était. C'est-à-dire, ce sont des thérapeutes, ce sont des gens, même des médiums, qui continuent à faire leurs petits trucs comme avant. Et ça ne convient plus aux énergies du moment, ça ne convient plus à cette modification de structure qui est en train de se faire. C'est assez étrange qu'on veut nous ramener en arrière. C'est très très fort, hein. On cherche à nous ramener en arrière pour recommencer à nouveau. Mais ça se fera pas parce qu'il y a quand même eu une transformation de notre essence. Je suis un petit peu flou, un petit peu étrange aujourd'hui, mais je sais pas comment le traduire. Ce sont des concepts tellement complexes de la conscience et des ressentis de l'interaction avec le temps, ce qui s'écoule, les événements et donc la manifestation, c'est très 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 étroit tout ça. Alors, nous y sommes, nous sommes dans un changement qui se produit, mais malheureusement, je dis malheureusement, les personnes dans leur globalité ne veulent pas, maintenant c'est clair, ne veulent pas changer. Ils veulent impérativement retrouver leur petite vie égoïste. Je ne vais pas ici juger. Je comprends qu'on ait envie de vivre sa vie, sachant que cette vie est éphémère ici, elle est courte. Et donc, c'est une opportunité pour les autres de recontinuer encore à nous broyer ces soi-disant sauveurs. Ils ne sont pas nos sauveurs, ils sont nos exploiteurs. Quand on défend un système mercantile de commerçants depuis la Révolution française, la Révolution américaine où ils ont demandé leur indépendance, c'est pareil, ça a été chacun sa stratégie, une hégémonie d'un côté, une politique de conquérant, et l'Europe vieillissante qui a commencé à perdre sa créativité et sa façon de vivre. Alors, dans un premier temps, on a triché ici et là pour maintenir, après-guerre, par exemple, une économie, etc., donc le système mercantile, etc. Le but était de mettre en place ce qui est en train de se produire. Après, on va dire qu'il y a un clivage aujourd'hui, une séparation qui s'est produite il y a peu entre les gens qui nous dirigent ici dans ce monde. Ils sont plus d'accord sur la stratégie du futur. Donc, c'est pour ça que je dis, ce ne sont pas, si certains paraissent, on va dire, plus humains,
En tout cas, ils veulent nous laisser continuer. Et les autres qui veulent plutôt nous broyer, nous contrôler. Dans les deux cas, de toute façon, on est esclaves. Et moi, en ce qui me concerne, c'est intolérable. Dans les deux cas. Surtout quand quelqu'un gagne des milliards et que quand vous analysez, vous regardez le comment, le pourquoi et quelle est leur façon de vivre, leur façon de penser, vous apercevez que ces gens-là sont des saloperies. Je dis mal parce que j'arrive pas à sortir. Après, il y a des gens de toutes sortes, qui vont essayer de créer quelque chose de pire. Alors évidemment, à choisir, autant choisir le moins pire, évidemment. Il est dommage de constater encore une fois qu'on a des opportunités, nous, et que finalement, l'humain est très, très têtu, quoi. Enfin, je parle de l'humain conscient, ou un peu conscient. Cet humain qui a une connexion, plus ou moins, comprise ou pas. Cette sensation d'être petit et misérable est triste quand même. C'est comme si Dieu descendait sur terre et décidait d'être petit et misérable et souffrir le calvaire et se dire, ben non, j'en vaut pas la peine. Alors c'est vrai que on nous a bien aidé à avoir cet état d'esprit. Mais quand même, j'aimerais que les gens se remuent, quoi. Quand je vois, maintenant, c'est visible quand même, pour ceux qui regardent un peu, hein, qui voient que les médias, le système, tout est, vraiment, il y a une corruption intellectuelle qui est énorme quand même, tout est dévié de la vérité, c'est du mensonge, c'est horrible. Mais beaucoup le savent, mais bon, quelque part, c'est pas grave, ça a toujours été. Donc, avec un petit peu un sourire en coin, dire, ah, on le sait, ils nous prennent pour des cons, mais bon, laisse faire. On n'a pas le pouvoir. Il y a toujours cette sensation d'être tout petit. Pourtant, en bien des occasions, il y a encore peu de temps encore. Vous avez vu comment, par exemple, notre gouvernement, au Sénat, on fait voter des lois pour se protéger, pour s'amnistier, d'avance. De tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, ce qui prouve bien qu'ils se sentent mal, ils se sentent coupables. C'est un aveu de culpabilité, je ne sais pas. Et ce qui prouve bien qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Ces gens-là profitent bien du système, et d'ici peu, vous allez voir que les gens qui veulent retourner à leur vie de tous les jours vont le payer très cher, très très cher. Alors que eux, ils continueront tranquillement, caviar et homard, avec les milliers d'euros, les voitures de fonction et les logements, et voilà, et tout y quanti, comme on dit souvent ici, tout. Et eux, ils baisseront pas leurs revenus, c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. Et ce seront pour eux que vous aurez investi de l'énergie. Qu'importe si quelqu'un dit, ben, lui, il est plus de votre côté. Il n'est pas de votre côté. Il est du sien. C'est très différent. Alors, nous allons voir. Parce que moi, j'entends ce qui se passe. J'entends toute une bonne partie de la nuit. C'était très, très difficile pour moi de, quel dommage de pas pouvoir enregistrer ce genre de choses qui sont des concepts extraordinaires. De la conscience et de la manifestation, de la création des choses, de comment ça fonctionne depuis les origines jusqu'à maintenant. Et quand vous connectez, vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est puissant. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je suis réellement. Et donc tout le monde, là, dehors, pourrait faire ça. Manifester un monde juste. Évidemment. L'argumentaire égotique sort immédiatement et tombe sur comme un couperet utopie. C'est pas réalisable, c'est pas possible. Cet état de faiblesse est tellement vécu ici comme on est chétif et faible, et que c'est une réalité. Les puissants feront de toute manière ce qu'ils veulent de nous.
Alors, nous verrons bien. Nous verrons bien. Vous aurez très bientôt, je pense, quelques surprises et, je l'espère, quelques petits chocs, petites secousses qui vont vous réveiller. Et encore, parce que visiblement, la plupart n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris à qui vous avez affaire, y compris ceux qui, soi-disant, nous soutiennent. Vous n'avez pas compris? Non, mais c'est pas grave. La puissance viendra de nous. Nous aurons un soutien, vous l'avons déjà, en fait. Un soutien, c'est vraiment ces conversations que j'aimerais les partager. Je suis incapable de les traduire. Ça se passe à un autre niveau et du coup, je suis incapable de sortir en mots une telle puissance de raisonnement, de ressenti, de compréhension de tout ce qui fait la réalité. Ce sont des concepts qui sont tellement... Et après, quand vous vous réveillez, quelque part, vous revenez dans votre état de conscience, j'allais dire classique, waouh, putain, c'est génial. Oh, c'est tellement énorme, cette puissance. Et c'est presque jouissif, c'est trop même. Et après, petit à petit, on sent comme les vannes, ou le... qui se ferme, je sais pas comment on pourrait le dire ça, et puis je redeviens moi, le petit moi. Je dis ouais, mais comment je pourrais contrebalancer ça maintenant dans l'état où je suis maintenant, alors que je garde toujours ce sentiment de dire mais c'est cool, on en a sous le pied quoi. Je sais, j'ai compris, et même j'étais rempli d'une certaine joie intérieure à dire c'est énorme. Les six étaient là, six individus. Alors, j'essaierai de replacer les liens. Il faut que je les retrouve de mes vidéos où je parle les six, parce que beaucoup de gens me parlent. Qui sont les six dont tu parles? Elles sont dans les vidéos. Et oui, c'est un petit peu compliqué. Si à chaque fois je dois refaire l'histoire des six, et j'allais dire du septième qui envoie tout ce signal dans le réseau de conscience, d'essayer de comprendre ce que nous sommes réellement et l'illusion de ce que nous vivons ici, une illusion bien tangible pour nous. Un rêve, une illusion, mais où on ne fait pas la différence entre un rêve. Depuis quelque temps, je fais des rêves extraordinaires. Évidemment, je le dis comme ça avec beaucoup d'ironie, des rêves. En fait, ce sont des visions. J'étais là-bas. J'y étais. On voit un ciel magnifique de nuit. Hein, j'étais de nuit, je voyais le ciel étoilé, je voyais enfin, sans matrice, sans rien, la réalité. J'étais sur Terre. C'est mes futurs, passés, maintenant, sans matrice, je voyais sans filtre les étoiles. Croyez-moi, c'est autre chose que ce que nous voyons actuellement la nuit. Je voyais des vaisseaux ici et là voyager et arriver, plusieurs. C'est assez fascinant, quoi. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, parce que là c'est beaucoup plus à titre personnel, comme j'ai une mauvaise vue, une très mauvaise vue, à titre personnel, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand vous avez une vue extraordinaire, que vous voyez mieux qu'ici, vous n'avez pas envie de revenir d'ailleurs, et ben, vous regardez le ciel, vous voyez toutes les variantes, la netteté des étoiles, du ciel, des vaisseaux qu'ils traversent, et de... J'ai dit, waouh, enfin, on est libéré. J'ai dit ça dans mon... Et c'est comme si je vivais et j'avais quelqu'un avec moi, un enfant en fait. Et il était là à côté de moi et je lui montrais un petit peu des choses. D'ailleurs, d'où il venait et d'où je venais moi aussi. Et d'ailleurs, on pouvait pas voir mes véritables origines, mais on pouvait voir certains endroits où
j'en parlerai peut-être plus tard, où est née la pierre angulaire. Elle est née physiquement la première fois. C'est un petit peu complexe tout ça. Il y aurait trop à dire. Je sais même plus dans quelle direction partir parce qu'il y a trop d'histoires. Alors c'est vrai que moi, vous ne m'entendrez pas trop parler de noms, de parce que à travers les âges, les noms ont perdu leur sens et selon les cultures, les noms ont changé. Donc ça, c'est vrai que j'ai déjà parlé du gène de l'Emery. Mais personne ici, les vidéos de Wuduka, une bonne partie des gens qui me suivent ont perdu le sens de tout ça parce qu'ils n'ont pas suivi toutes mes vidéos. De cette zone de l'espace qui a été le fruit d'un affrontement colossal qui a détruit une bonne partie de la structure de l'espace et qui a engendré, entre guillemets, une modification dans la pierre angulaire, dans cet être qui est incarné, qui maudit, pour la reconnaître, et puis fait pour l'ancrage et la connexion à la réalité, lui confère une capacité particulière de modélisation, puisque c'est elle la clé de voûte de l'univers. Et elle est toujours avec une structure ADN particulière, avec un gène particulier qui se nomme le gène de l'Emery, comme par hasard, de cette zone de l'espace qui a aujourd'hui disparu depuis des millions d'années. Il y aurait tellement d'histoires à raconter là-dessus. Et beaucoup de gens me demandent, et le voyageur? Le voyageur se révèle petit à petit. On en reparlera peut-être un jour. Le voyageur reprend petit à petit sa structure. Et lui aussi est sur Terre. Alors, ça me fait penser, ça m'a fait sourire quand j'ai pensé ça, j'ai dit c'est rigolo, ça me fait penser à la série de films Highlander où le combat final va se passer à New York. En fait, c'est bon, il y a eu tellement de films et des modifications de scénario qu'il faut, après ils se sont un peu embrouillés les cartes avec les histoires, mais dans le premier volet, souvent les premiers sont les plus intéressants, il disait que après ils se sentent irrésistiblement attirés vers un lieu, ce sera New York, je crois, si je me souviens bien, dans l'épisode 1, où en fait ils devront combattre pour le titre. Et là, je me disais, c'est assez étrange que cette petite planète, qui était en fait pas si petite que ça, en réalité, est complètement modifié, qui n'est pas du tout comme on croit, qui est au carrefour et de beaucoup de choses, de conflits et de guerres, de manipulations, parce qu'ici se passent des choses très spéciales sur cette Terre, ou cette zone qu'on appelle la Terre. Et ben ici se passent les êtres les plus puissants de cet univers. Les êtres les plus extraordinaires devront ici, à un moment donné, régler quelque chose d'important. Sinon, ce qu'on peut appeler tout simplement la création, l'entité vivante qui est ce royaume, devra disparaître purement et simplement. Parce que c'est de ça qui est en jeu. C'est ni plus ni moins la continuité de ce royaume. C'est ça qui est en jeu. Certains pourraient dire, avec une vision beaucoup plus large, qu'importe si un royaume disparaît, il y en a une multitude. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quand, quelque part, vous avez une sorte de... J'avais un terme très complexe pour cette entité, bon, elle est nommée, mais j'aime pas nommer cette entité qui porte les 365 royaumes. En réalité, c'est pas un être physique, donc c'est quelque chose qui maintient en cohérence tout ça, et qui est, qu'on le veuille ou non, étroitement lié aux pierres angulaires, parce que tout ceci interagit pour créer, manifester et faire que les réalités soient. Sinon, tout reste sous un stade ou sous une forme de codage, d'information, sans manifestation, sans expérimentation.
quelque part, rester dans l'informe. C'est pour cela que c'est dommage et triste ici de constater que vous avez des formes, certes, des corps qui ont été modifiés, trafiqués, manipulés, on peut en dire jour, depuis très longtemps. Mais malgré tout ça, c'est une aventure extraordinaire. C'est ce que j'ai compris. Nous vivons une aventure extraordinaire. Mais nous le vivons par le petit bout de la lorgnette et du coup, on ne voit que la misère. On ne se rend pas compte des tenants, des aboutissants, des ramifications interdimensionnelles, multidimensionnelles qui se produisent. C'est incommensurable. Et quand j'ai pu commencer à comprendre comment ça fonctionne, la création, ce rythme de fonctionnement de la conscience et du temps, je me dis, mais c'est extraordinaire, nous sommes nous-mêmes à la fois l'univers et tout petit, insignifiant et ridicule et incommensurable en même temps. On a du mal à le concevoir. Et pourtant. Mais rien n'est éternel, même si ça se chiffre en milliards de siècles. Et surtout que, comme je le dis, le temps est un concept complètement erroné. On pourrait avoir la sensation de vivre des milliards de vies. Il serait passé que quelques instants à d'autres niveaux. Mais, je vais le redire ici, nous vivons une expérience et une aventure extraordinaire. Bien dommage et que bien peu ici vont le réaliser et le comprendre. C'est ce qu'on a voulu me faire toucher. J'ai dit, mais le problème, c'est que lorsqu'on redescend dans la densité, qu'on reprend ce niveau de conscience-là, on a bien du mal à dire oui, mais, je suis un simple mortel ici, doué peut-être de capacités de manifestation certes limitées, et pourtant, je me sens faible et petit, et éphémère, vulnérable. Et du coup, on est toujours pétri de ce sentiment d'insécurité. Et c'est ce qui prime ici. Et c'est pour cela que certains qui nous gouvernent et au-delà ont bien compris que quelle que soit la puissance d'éveil que nous serons toujours pétris de peur et de doute. Je vais faire une petite analogie. C'est pas bien haut, c'est juste pour faire comprendre. Dans une série, dans la série des Star Trek, les films, hein, il y a un androïde qui s'appelle Data. Je ne sais pas si vous sonnez dans la série Next Generation. À un moment donné, il se fait prendre par la reine des Borg. Les Borg sont, enfin bref, on s'en fout, c'est pas, je vais pas expliquer ici Star Trek, mais beaucoup connaissent déjà. À un moment donné, elle lui fait une grève de peau sur son bras artificiel, parce que Data a toujours quelque part eu le fantasme de devenir humain. Quel étrange fantasme. Il est plus fort, il pourrait être virtuellement immortel, on pourrait lui changer les pièces à vita aeternam, il pourrait vivre éternellement. Et lui, son rêve quelque part, c'est d'avoir une puce émotionnelle qu'il a d'ailleurs, qu'il peut désactiver quand il le souhaite, quand il se sent oppressé. Et quelque part, il aspire à être de plus en plus humain. Quel étrange paradoxe. Et pourquoi devenir, quelque part, selon notre point de vue, plus faible? D'accord? C'est étrange. Ça veut dire que c'est la panacée d'être humain? Pas vraiment, non, on en chie des bulles ici. C'est pas évident. Et en plus, elle lui greffe une sorte de peau synthétique où il a les sensations et les perceptions de la peau. Et du coup, il est là, il protège à un moment donné plus ou moins cette greffe artificielle. Il la protège désespérément, cette peau. Parce qu'il a des sensations, si on lui souffle dessus, il sent la sensation du souffle. Et c'est étrange, du coup, il ressent pour la première fois de sa vie, ça le touche. Vous voyez un petit peu l'étrange paradoxe.
que quelque chose, une machine très sophistiquée, veut devenir humaine et qu'elle protège un petit morceau de peau qui est très fragile. De la même façon que lorsque je vois ces fleurs qui poussent ça et là, parce que c'est, on va la dire, on va arriver vers le printemps et petit à petit vers la fin du printemps, qui sont si fragiles, ben on veut les couper, les garder, mais malheureusement quelque part ça les tue. Mais ça reste des choses très fragiles, les fleurs, magnifiques, qui sont magnifiques aussi pour les abeilles, pour le miel, pour la nature, pour les couleurs, pour l'émotionnel. Et c'est magnifique, mais c'est tellement fragile. Mais peut-on envisager un monde sans fleurs, si fragile soit-elle? Ça serait une tristesse, du béton partout, les villes comme Neom, une ville artificielle où il y aurait évidemment des fleurs, mais qu'on planterait de façon artificielle là-bas. Mais une ville synthétique, froide, cybernétisée, automatisée, commandée par une intelligence artificielle, on dirait que ce serait la ville du paradis. Voilà, c'est tout est dit. Alors qu'en fait, moi, dans mon rêve, fantasme, tout ordinaire, moi je rêve d'une maison dans les bois, quoi. Une maison dans les bois avec une petite cascade à côté, un petit endroit où se baigner, chose simple, un rocher où s'asseoir, pas besoin de structures gigantesques à la gloire du super humain qui l'a bâti. Rien à cirer, quoi. L'égotique dans toute sa splendeur, la stupidité en outrance de l'apparat virtuel de l'apparence. Mais c'est de ça qu'il s'agit, la fragilité de ce corps, de l'humanité et de sa magnificence. Et on l'a pas compris encore. Je suis parti un peu dans toutes les directions. Je sais pas réussi à transcrire un quart de la moitié du dixième des pensées que j'ai eues et qui se sont circulées cette nuit dans ma tête. Je ne sais pas si quelque chose va en émerger, qui va prendre forme. Mais je sais que sur une certaine ligne temporelle, le monde a déjà été libéré, donc il le saura, ou il va l'être, j'en sais rien, où il est déjà, le temps, et revoir le ciel étoilé tel qu'il est censé être, je dis bien revoir, parce que je l'avais déjà vu plus d'une fois, c'est extraordinaire. Vous voyez ces appareils gigantesques sillonner le ciel nocturne, très nettement, avec une vue qui est nettement supérieure à cette vue humaine, à côté de personnes qui sont capables de comprendre et de vivre ce que je vis, c'était assez étonnant et même émouvant, j'allais dire. Évidemment, je vous parle de choses qui vous parlent probablement pas, mais en tout cas, je les ai vues, ça fait plusieurs nuits. Donc, on me montre ce que ça peut être, ou ce que c'est déjà, c'est étrange de comprendre. Le mental que nous avons essaie toujours de remettre en forme, de rendre logique et rationnel les arguments. Le problème, c'est que parfois, lorsque je vis des aventures, des expériences astralement, ou en projection de conscience ailleurs, ou dans un autre temps, il est assez déconcertant de constater qu'en fait, il n'y a pas de questions, pas de réponses à obtenir, juste à vivre et à incarner le moment. C'est tout. Voilà, c'est une vidéo qui, pour certaines, n'apportera absolument rien, mais qui, j'espère, si vous l'écoutez sans résister,
vous donnera ici et là des sensations qui vont vous faire toucher, je l'espère, une sorte de frémissement de joie de la véritable liberté. C'est costaud, hein, je sais, c'est étrange, la liberté véritable et cette euphorie de ressentir cette liberté, d'être libre véritablement et d'avoir en conscience la capacité de choisir. N'imaginez pas ce qu'on peut ressentir, cette richesse, et enfin être ce qu'on est censé être, des corps parfaits, avec des aptitudes, des sens qui nous permettent de ne plus ressentir ni douleur, ni handicap, d'avoir des sens si développés qu'on peut ressentir, percevoir et comprendre ce que l'on regarde. La connexion qui s'établit avec le soi-disant extérieur, il n'y a plus de séparation. On ressent ce que l'on regarde. On le comprend en nous-mêmes. C'est vrai que je peux comprendre beaucoup de personnes qui, en ce moment, essaient de recomprendre, de se remettre en contact avec une vérité profonde qui nous touche, une vérité fondamentale d'un retour aux sources. C'est pour ça que certains n'hésitent pas à vivre comme des Robinson Crusoe, je vais dire, couper du monde, essayer de reprendre un certain choix d'un retour à la nature, pour un certain courage et sortir une certaine plaisir, parce que c'est dur de revenir avec tous ces handicaps et de reconnecter petit à petit dans une certaine douleur, parce que on nous a endormis avec un quotidien, une technologie, une facilité de vivre. Alors qu'en réalité, rien ne devrait être facile. Mais ça ne veut pas dire douloureux, ça veut dire juste. C'est-à-dire, rien ne devrait être comme ça, tout mâché. C'est-à-dire, oui, c'est comme ça. Comme je vois certains scientifiques qui récupèrent ce qui a déjà été développé comme acquis. Je dis, mais c'est à toi d'éprouver et de comprendre le concept et d'être capable de le synthétiser, de le modifier, de l'adapter à toi et éventuellement de le faire grandir et de le délivrer au plus grand nombre la même information, mais avec un plus. C'est aussi ça, la symbiose. C'est, je prends, j'intègre, j'assimile. Ça fait partie de moi, je le ressors, un peu transformé, un détail, une partie de moi, rajoutée, et je l'offre au monde, et quelqu'un d'autre le prendra et rajoutera sa part, il rajoutera son morceau, il dit voilà, ça c'est ma part que j'apporte, ce que j'en ai compris, et ce que je peux en traduire. Alors, c'est vrai que chacun aura son chemin pour essayer de retourner à la source, sa source, recomprendre les concepts naturels de pourquoi nous sommes incarnés, pourquoi je vis ce que je vis, et que, en plus, même avec toutes les limitations qu'on nous a imposées, eh ben, ça peut être une expérience, une aventure extraordinaire. Parce que le jour où vous allez vous révéler à vous-même, vous allez comprendre. Je le dis de cette façon parce que certains ne se révéleront pas et ils essaient par tous les moyens de faire en sorte que ça soit le cas pour vous aussi, que vous soyez prisonnier de cette condition limitée, sans perception de la source, de ce que vous êtes fondamentalement. Eux, ils n'ont pas la connexion. Donc, ils veulent que vous soyez comme eux, et mieux.
ils disent qu'ils sont supérieurs à vous. C'est ça qui est fort, quand même. C'est un sacré tour de magie, là, hein. Alors qu'en réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et dire, waouh, mais regarde, tout ton monde froid et artificiel, si beau soit-il, il n'est pas vivant, il est inerte. Inerte. Il n'a pas de, il n'y a rien qui interagit avec moi. Je regarde, c'est froid. Il n'y a pas de vie. Alors, un peu décalé, un peu peut-être hors de propos, dirons-nous, et c'est faux. On est pile dans la réalité du moment, la réalité de qui nous sommes. Je ne sais pas si vous arriverez à... Moi-même, je ne sais même pas ce qui va sortir de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Faudra que je laisse à nouveau le mail en dessous. Je crois que je l'ai oublié la dernière fois. Pour ceux qui veulent me poser encore des questions, si vous voulez que samedi j'y réponde. C'est un petit peu la pagaille. Je cours un peu dans tous les sens. J'ai pas trop de temps en ce moment, mais, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Probablement à samedi. Nous verrons ce qui va sortir un petit peu de tout ça, de cette première semaine, premier bilan, on va pas faire un bilan de cette première semaine de déconfinement, et nous verrons un petit peu si certains d'entre vous arrivent à sortir de leur psychose, de leur blocage, parce que là j'en vois, les gens ils sont bloqués, c'est horrible, hein. Ce blocage intérieur, liberté, libération. Si vous êtes capable, à un moment donné, en rêve, en lisant un livre, n'importe quoi, de ressentir de façon même simpliste, de ressentir la vraie liberté et le choix de pouvoir vraiment choisir, vraiment les vrais choix en conscience, et vous direz, mais jamais, c'est irremplaçable. Vous diriez non tout de suite, là. Quel que soit nos soi-disant libérateurs, qui disent, oh ben, lui, il va nous sauver, là. Ne cherchez pas un libérateur extérieur. Vous avez déjà tout en vous-même. Tout. Eh oui, mais bon, je vais pas revenir sur le début de la vidéo, hein. Bisous à tous. Je vous dis à samedi. Et, passez une bonne fin de semaine. Je vous le souhaite en tout cas, de tout mon cœur. Bye bye.